L'accident de ski de Michael Schumacher, survenu le 29 décembre 2013, a bouleversé les fans de sports automobiles. Mais pas seulement. Car avant d'être un pilote hors pair, le Baron Rouge est surtout un mari et un père. Avec son épouse Corinna Bech, il a en effet eu deux enfants, Gina Maria, sa fille aînée. Et Mick, son petit dernier, qui suit actuellement ses pas. En effet, le jeune homme a fait son entrée en Formule 1 au sein de l'écurie Haas. Et il compte bien faire honneur à l'héritage de son père. Même s'il s'agit d'un sujet qu'il n'aime pas évoquer publiquement. En témoigne sa réticence quelques mois plus tôt, lorsque des journalistes du magazine italien La Stampa lui avaient demandé quelques mots concernant son géniteur. C'est une affaire privée. Nous devrions revenir au sujet du sport automobile. Virgule avait rétorqué le petit protégé de Jean Todt. Pourtant, il vient de faire une exception en rendant un discret hommage au septuple champion du monde. D'ordinaire plutôt discret concernant sa légende de père, Mick Schumacher a créé la surprise en postant un cliché de lui sur sa page Instagram. Il s'agit d'une photographie issue de son époque dorée au sein de l'écurie Ferrari. En légende, le frère de Gina a simplement écrit « 15 septembre sur Netflix ». Une manière de promouvoir le documentaire très attendu sur Michael Schumacher. En effet, pour la première fois depuis le terrible accident de ski de son mari, Corinna Bech a donné son accord pour qu'un documentaire lui soit consacré. En plus de s'y exprimer face à la caméra, elle aurait accepté de fournir des archives intimes et inédites. Un long métrage très attendu par les fans du pilote, qui réclament de ses nouvelles depuis de longues années.